Marco a toujours joué en amateur au Blanc-Ménil jusqu'à ce qu'il intègre le centre du Paris FC en U19. Il passe 2 ans là-bas, une première compliquée et une deuxième où il casse. Le DFCO vient ensuite le recruter pour leur réserve qui évolue en N3. Il fait une grosse saison, l'équipe finit championne de National 3 et doit faire la prépa avec la Ligue 1 la saison suivante, sauf qu'il se fracture le pied au dernier match de la saison. Tous ses plans tombent à l'eau, sauf que son ancien club formateur le rappelle pour lui proposer un contrat pro en Ligue 2 pendant sa convalescence. Bien évidemment, il accepte. Il galère à retrouver son niveau, mais au moment où il va enfin avoir sa chance, Covid. À l'été 2020, il rate successivement une prolongation avec le Paris FC et une signature à l'US Boulogne en national parce que son agent foire complètement le dossier. L'automne arrive, Marco est dégoûté et là, il lâche tout. Pendant un an et demi, il enchaîne les clubs, mais franchement, la motivation et l'amour du ballon sont plus là jusqu'à ce que ça revienne. Poussé par un de ses potes, il se remet à rêver de jouer au haut niveau et c'est avec ça en tête qu'il signe au Jura Doula Football où il fait une très bonne saison, ce qui lui permet de signer à l'AS Saint-Priest, club où il va évoluer cette saison. C'est tout pour l'histoire de Marco et Simi. En attendant, si tu veux découvrir d'autres parcours atypiques comme celui-ci, abonne-toi.